Vous étiez donc hier face à Jean-Luc Mélenchon, invité de Questions politiques, diffusé tous les dimanches à midi sur France Inter et France Info Télé. Une interview rugueuse, comme souvent, avec le leader de la France Insoumise. Un président de la République française a osé dire que Philippe Pétain était un grand stratège. Il parlait du Pétain de la guerre de 14. Un grand intellectuel. Il parlait du Pétain de la guerre de 14. Ce sont deux traîtres à la patrie. Et oui, mais c'est le président de la République qui l'a fait. Vous avez des médias qui vous disent « Ah, le grand problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sauf si vous êtes dans le déni, le vrai problème, c'est la sécurité. » J'ai jamais dit ça. Vous tapez également sur les socialistes. On a l'impression quand même que c'est votre première cible, et ça peut sembler étonnant, si vous considérez qu'il faut se rassembler au deuxième tour. Et très attendez, c'est la celle-là est en tissu de mensonges. Non, mais donc non, on veut quand même question, commencer. C'est une question. Vous dire des choses. Pardon, Madame Saint-Cric, mais vous n'êtes pas sérieux. Mélenchon. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu, en fin d'émission, je crois que c'était quelques minutes avant le générique de fin, les propos de Jean-Luc Mélenchon qui imagine un grave incident dans la semaine, dans la dernière semaine Alors, de la présidentielle. Pour être honnête, je ne les ai pas décryptés comme une théorie du complot. J'ai dû grogner. Alors j'aurais peut-être fait autre chose, mieux fait de faire autre chose que de grogner en disant « mais c'est quoi encore ça ?» J'ai plus considéré que c'était une série d'inepties. Que quelque chose qui est relevé de la théorie du complot, c'est là probablement que j'ai fait une erreur. Parce que, si vous voulez, Mohamed Merah, c'est un mois et demi avant l'élection de qui, de François Hollande, pas de Marine Le Pen. Et cette espèce de série où on met papivoise Mohamed Merah, j'ai trouvé que c'était complètement incongru. J'ajoute à ça, donc d'où le sous-côté, qu'est-ce que c'est encore ça? J'ajoute qu'on avait déjà eu avant, on ne l'a pas vu ça, que Daledier avait été fusillé en tant que collabo alors qu'il est mort en 1970 et qu'il y avait un certain nombre de choses qui me semblaient totalement délirantes. Et face à ce délire, je me suis dit, oh là là. Et comme j'étais obsédée par l'idée de ma question sur le Front républicain, je n'ai pas relevé. Mais je pense que on aurait dû relever un peu plus. Voilà. En soulignant l'aspect complotiste de ce propos. Honnêtement, quand on fait une émission avec Jean-Luc Mélenchon, on est à la fois sur ses gardes pour ne pas paraître extrêmement agressif. Parce qu'en plus, Patrick et moi-même avons eu un certain nombre de passés et de passifs avec lui. Donc on essaie de se tenir bien pour avoir une espèce de tombeau. Et de temps en temps, moi je ne veux pas faire de débat avec lui. Je suis là pour poser des questions, il est là pour répondre. Donc quelquefois, ça donne une certaine forme, non pas de mollesse, mais peut-être on est un peu en deçà. Et à d'autres moments, quand il me dit que je mens et que je lui cite l'interview du Monde qui est quelques jours après, j'essaie d'y aller un peu plus. Mais effectivement, ça nous a probablement un peu échappé sur... Ce qui a été analysé après, la violence faite à Latifa Benziaten, la violence faite aux musulmans, et puis simplement le non-sens absolu de cette espèce de catalogue qui est une forme de syllogisme qui n'a aucun sens et aucun fondement. Il ne répondait pas à une question précise. Non, il est parti comme ça. Enfin, il est parti comme ça. Souvent, il part comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... Souvent, on n'a pas des réponses aux questions qu'on pose. Et en revanche, on a des réponses aux questions qu'on ne pose pas, voire des tirades. Mais vous avez raison, ces propos ont dès hier provoqué des réactions des familles, des victimes, des attentats. Tiens, ces propos. C'est pas... pardon, c'est pas une brève de comptoir. C'est pas quelqu'un qui a un coup de trop. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il est parlementaire. Il est chef de parti. Il est candidat à l'élection présidentielle. C'est absolument inadmissible. Et Samuel Sandler a pris ses propos comme un crachat sur la tombe de sa famille et sur son propre visage. Et je le comprends. Jean-Luc Mélenchon s'est éloigné de la ligne républicaine depuis un bon moment. Il a notamment traité les policiers de barbares il y a quelques mois. Il y a un peu plus longtemps, il a été condamné pour des violences sur des policiers. Donc les tristes propos de cet individu n'engagent que lui.